J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à Too Many Subscribers. Donc aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment poser des faux cils. Alors, pour poser des faux cils, il faut avoir une technique qui n'est pas aussi compliquée que ça. Mais il faut juste apprendre. Alors, la première chose à faire, c'est de se procurer des faux cils. Peu importe la marque que vous allez prendre, prenez des faux cils adaptés à la forme de vos yeux, très très important. Par contre, si vous avez des petits yeux et tendance à couper vos faux cils juste au bout ici, il y a d'autres gens qui coupent ce côté-ci, mais moi j'ai tendance à couper de ce côté. Donc c'est à vous de voir comment ce que vous allez faire. Aussi, les faux cils que je porte, c'est des faux cils avec une bande assez large, qui est un peu plus facile pour l'application. Si vous galérez à appliquer vos faux cils, je vous conseille vraiment des faux cils à bande un peu plus épaisse. Ce que je vais faire maintenant, je vais retirer mes faux cils de leur boîte. Ce que vous allez faire, très légèrement, doucement, on va les retirer comme ceci, au doigt où vous prenez un petit outil. Comme ceci, donc voilà ce que j'ai fait, et on va mesurer les faux cils. Alors les faux cils que je porte aujourd'hui, je les connais très bien, ce sont mes préférés. À chaque fois que je les porte, je reçois beaucoup de compliments, donc je les rachète à chaque fois. Donc ce que vous allez faire, prendre vos faux cils, je vais prendre un miroir, et prenez un miroir bien sûr. Et on va mesurer. Donc ce qu'on va faire, on va juste poser comme ceci. Et on va voir si ça vous va. Voilà, comme vous voyez, moi ça me va très bien, ça dépasse pas. Donc là, ça me gêne pas du tout au coin interne de l'œil. Alors on va poser. Mais par contre, si c'était long, comme je vous ai dit, j'aurais coupé. Hein. J'aurais coupé. Donc, et toujours sur vous, une petite paire de ciseaux et bien sûr notre instrument si vous en avez besoin. Moi quand j'ai des faux ongles et quand ils sont longs, j'en ai besoin. Et votre colle. Alors aujourd'hui j'utilise la colle Duo, c'est la colle, je pense que le classique, le tout premier, mais c'est vraiment pas mon préféré. Moi je préfère un Duo qui sèche en, je pense, 5 secondes, quelque chose comme ça. Ça, c'est le meilleur. Je pense que la couleur, c'est vert. Je vous mettrai ici. Je vous mettrai ici. Mais aujourd'hui, on va utiliser celui-ci parce que j'ai envie de le finir. J'en avais beaucoup, donc j'ai envie de les finir. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez votre miroir. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant. Alors, l'astuce, c'est que la colle doit sécher. Mais pas trop en fait, il faut attendre vraiment le bon moment, c'est ça en fait, c'est là où les gens galèrent. Alors c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment la colle Duo qui sèche en, c'est moins de 30 secondes, hein. Vous l'appliquez juste, vous attendez 10 secondes et l'application, ça ce sera trop facile. Mais celui-ci en fait, je dois attendre peut-être 30 secondes que ça commence à sécher. Et aussi avec cette colle là, ça a tendance aussi à avoir un petit résidu blanc, ce que j'aime pas. Mais après, je peux toujours corriger. Donc, on va préparer notre colle. Nos cils, pardon, moi j'ai dit colle. Ce que je vais faire maintenant. Alors, faut bien faire attention de bien poser vos cils à l'œil qui correspond. Par exemple, quand je dis l'œil gauche, l'œil droite, c'est de ce côté-là. Donc, il faut bien faire attention à ne pas mélanger, à ne pas faire l'inverse. Par exemple, l'œil, le faux cil de l'œil gauche, vous le mettez ici, ça va tout foutre en l'air. Donc, faites surtout bien attention. Donc, voilà ma colle. Je vais en faire sortir juste un peu. Ce que je vais faire, je vais juste, on va surtout pas en mettre beaucoup. Voilà ce qu'on va faire. Et il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de mettre trop de colle aussi.
Vous avez vraiment pas besoin de trop de colle. Voilà, donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup, j'espère que vous voyez. Et je vais laisser poser pendant 45 secondes. Ouais, 45 secondes, je dirais. Donc, ce que vous allez faire maintenant, on va préparer nos yeux. On va utiliser peut-être de l'eyeliner si vous voulez, l'eyeliner, crayon, comme vous voulez. Juste pour que ça soit un peu plus facile. Moi, sincèrement, quand j'utilise ces fossiles-là, comme je vous ai dit, la bande, elle est épaisse. J'ai pas forcément besoin d'appliquer un eyeliner. Mais aujourd'hui, je l'ai fait juste pour la vidéo, pour que ça soit un peu plus joli. Après, sans eyeliner aussi, c'est joli. Hein. Je vous assure que c'est joli. Donc, on fait ça. Donc, je viens de le faire. Vous savez quoi? Je vais me rapprocher un peu. De ma part, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer votre mascara avant l'application de vos fossiles. Vous pouvez aussi l'appliquer après, mais je pense qu'avant, c'est mieux parce que vos fossiles vont bien... vont se préparer, vont avoir une base en fait. Et puis, ce qui est bien aussi, le mascara ne va pas abîmer vos fossiles. De nettoyer les fossiles, moi sincèrement je déteste ça, donc ça va pas abîmer vos fossiles. Aussi, si vous avez des cils qui tombent ou qui partent partout comme moi, ce que je fais, j'utilise mon instrument, mon curl eyelashes, comment est-ce qu'on appelle ça en français, je sais même plus, j'ai oublié. Donc j'utilise ça, mais aujourd'hui je l'ai pas utilisé parce qu'en fait j'ai des cils qui partent partout. J'ai des cils qui partent vraiment partout, donc c'est chiant. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé, mais je vous conseille vraiment de l'utiliser. Ça fonctionne très bien en fait. Parce que j'utilise des fossiles, sincèrement, j'utilise un mascara moins cher. Je m'en fous totalement du mascara que j'utilise. Je vous conseille aussi de ne pas vous investir dans un mascara cher si vous portez des fossiles presque chaque jour. Hein. Donc ça sert à rien du tout. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre miroir. Et là maintenant, il y a une petite astuce à faire. Vous prenez votre miroir et ce que vous allez faire, vous allez baisser votre miroir. Levez votre tête juste un peu. Et vous allez voir que vos yeux seront moitié ouverts, comme ceci. Vous allez prendre vos fossiles, qui sont déjà prêts. Et vous allez poser vos fossiles, est-ce que vous voyez même, au milieu. Comme ceci. Ça tombe bien. Ce que je vous avais dit, c'est pour ça que je déteste cette colle là. Bah, ça n'a pas bien pris. Je sais pas si je dois peut-être la jeter. Mais quand ça fait ça, en fait, ne stressez pas du tout. Vous enlevez juste vos fossiles. Ça tombe super bien. Et ce que vous allez faire, on va nettoyer juste un peu. Rien de grave. Toujours la même astuce. Regardez en bas. Positionner. Vérifier que ça a bien pris. Voilà, faut bien voir. Et surtout quand vous portez des fossiles, faut que vous soyez super à l'aise, sinon ça va vous gêner toute la journée. Donc une petite astuce aussi, c'est de pincer à la racine, pincez les fossiles avec vos cils
Voilà, et après, il faut bien arranger. Alors, il faut bien faire attention que vos faux cils soient vraiment posés à la racine de vos cils. Sinon, bah, il y aura un petit espace qui va en fait faire une séparation qui est vraiment, ça fait vraiment moche en plus. Donc, c'est pour ça l'astuce aussi, si vous avez tendance à faire cette petite erreur, d'utiliser un eyeliner. C'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui, mais moi, j'utilise sans eyeliner. Voilà notre pose. Là, on a fait une erreur. Voilà mes faux cils. Ils ne sont pas abîmés. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. On va juste enlever l'excès qui s'enlève très facilement, je vous assure. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire là, j'enlève l'excès. J'enlève l'excès et ça s'enlève très facile. Donc, nos cils sont propres maintenant. Voilà. Bien faire attention que votre colle soit bien posée sur les deux bouts de vos faux cils parce que ce sont les parties les plus importantes, bien que ça tient toute la journée. On va encore attendre 45 secondes. Mm-hmm. Toujours la même astuce, notre miroir, le baisser juste un peu, faire monter la tête juste un petit peu, tenir vos faux cils au centre, au milieu. Et bien poser à la racine de vos cils. Et après, positionner et pousser. Bien attention que les deux bouts ont bien collé au centre et après ce que vous allez faire, on va pincer vos faux cils et les vrais cils. Là, je sens que ça me gêne pas du tout, je suis confortable. Donc voilà, l'application vraiment très facile. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à arrêter dès qu'il y a une petite complication. Vous avez vu, j'ai une petite complication, j'ai pas stressé du tout. J'ai juste enlevé la colle, ça prend moins de 30 secondes enlever la colle. J'ai remis de la colle et voilà, j'ai attendu mes 45 secondes et j'ai replacé mes faux cils. Comme vous le voyez, c'est très très simple. Il faut juste connaître les techniques que je vous ai montrées. Donc, le plus important, il faut attendre que la colle soit prête. Mais pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de prendre une colle qui sèche vite. Donc, une colle que vous allez poser, vous allez appliquer immédiatement en moins de 10 secondes. Vous l'appliquez et ça, c'est super bien. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas de partager, de mettre un pouce vers le haut. Ça me ferait très plaisir.